Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Jésus-Christ, pour le privilège que tu nous accordes encore d'être autour de ce repas. Amen. Seigneur, certainement, je ne veux pas peut-être donner un repas complet. Seigneur, aide-moi seulement à donner un hors d'œuvre. Je crois que, Seigneur, au Père, ils seront remplis. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci pour Seigneur, le pasteur Joël, qui m'a accordé cette confiance de maintenir derrière cette chair. Amen. Tu bénis son ministère, sa famille, et toute l'église entière, tout ce qui travaille avec lui, ô Dieu. Et tout ce qui m'a accompagné, Seigneur, ô Père, et tu nous fortifies et nous relever davantage, Père, alors que nos corps sont fatigués, mais par ta parole, ne peut nous restaurer. Comme tu as dit, Seigneur, ô Père, ils se voleront comme des aigles, et ils vont se rajeunir. Seigneur, tu peux le faire encore ce soir. Bénis la lecture de ta parole, et que la gloire te revienne en toutes choses, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir Amen. Un moment. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, j'ai senti que ici il y a des vivants dans Amen. Cette salle. Amen. 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 Le pasteur Jean-Marc m'avait dit cela et c'est chose accomplie. Amen. J'ai entendu, maintenant je vois. Amen. Amen. Vous savez, je ne suis pas un prédicateur. Mais c'est vous qui prêchez. Amen. Si vous êtes des bons prédicateurs, alors je prêcherai. Amen. Amen. C'est pour ça, si je suis dans une marque, alors je ne peux pas prêcher. Amen. Amen. Oh, quelqu'un peut dire amène la parole. Amen. Bonsoir, mon Dieu à Dieu. On a juste un petit temps. Amen. Vous savez, quand on court après le voyage, on a le stress, on court derrière le temps. Amen. Mais que Dieu nous aide. Amen. Amen. Mais si l'onction tombe et que je manque l'avion, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Comme le pasteur disait tout à l'heure dans le bureau, il dit parfois, on peut contrôler l'onction, mais il y a des moments où on ne peut pas aussi contrôler l'onction. Amen. Donc, je n'ai pas encore besoin de me présenter. Pasteur Joël m'a déjà présenté. Amen. Hein? C'est Roger Vimalin. Amen. 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 Donc, vous allez me dire, peut-être que c'est un nom de quelle origine. En fin de compte, mon nom, ce n'était pas Vimalin. Mon nom, c'était Winmalen. Winmalen, c'est un nom hollandais. Parce que mon grand-père, c'était un hollandais blanc. Amen. Amen. Donc, cela où. Et puis, quand mon père a pris la nationalité française, on a francisé le nom et c'est devenu Vimalin. Amen. On va se rendre à Dieu. Amen. 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 Donc, je suis né étant français, mais j'ai le sang africain. Amen. Amen. Mais, vous savez. J'aime pas être français, j'aime pas être camerounais, Amen. J'aime être du ciel. Amen. Amen. Alors, nous allons aller dans l'écriture rapidement. Si vous pouvez bien debout avec nous. Donc, Osée 6. Venons, retournons
à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Amen. 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 Il y a tellement de vitamines dedans. Amen. C'est pas parce que c'est une petite écriture qu'il n'y aura pas assez de vitamines. Amen. Celui qui lit la parole est déjà béni. Amen. Celui qui écoute est déjà béni. Amen. 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 Je crois que chacun a lu une portion des écritures en venant ici. Amen. Chacun a lu une portion d'écriture avant même la prédication. Amen. Donc je n'ai pas le temps de prendre trop d'écriture. Amen. Amen. Et ce soir, j'ai un petit message, une petite pensée, le ministère du retour. Amen. 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 Nous avons lu dans Osée, il est dit retournons à l'Éternel. Il ne nous a pas dit « retournons à Yaoundé ». Il ne nous a pas dit « retournons en Palestine ». Mais Osée dit « retournons à l'Éternel ». Il y a quelque chose quand on retourne à l'Éternel. Amen. Alléluia. Frère Banam dit « que je vive ce jour-là, que l'Église puisse retourner au commencement ». Amen. Retourner au commencement, c'est ça, retourner à la véritable chose que nous allons laisser. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce soir, je vous lance un appel à retourner. Amen. Un appel à retourner où? Au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Peu importe la dernière doctrine que vous croyez. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdu. Exact. Et le baptême du Saint-Esprit, pas au niveau de la tête, amen, mais un baptême au niveau de l'âme. Amen. Et si tu as réellement le Saint-Esprit, amen, tu dois ajouter encore le Saint-Esprit. Amen. Tu dois ajouter encore le Saint-Esprit. Amen. Tu dois ajouter encore le Saint-Esprit, amen, jusqu'à arriver à l'adoption. Amen. Oh, quelqu'un peut dire amen avec moi. L'accent revient à Dieu. Amen. C'est pour ça la meilleure doctrine, frère. C'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est là où nous devons tous retourner. Si vous n'êtes pas, si vous ne retournez pas à la nouvelle naissance, alors vous n'êtes rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Père Madame dit qu'il parle de frère Maguire. Frère Maguire, un jour, est allé, il y avait une fête là-bas aux États-Unis. Et dans ce jour de fête, alors il fallait être habillé à l'ancienne mode. Il fallait danser à l'ancienne mode. Et ce jour-là, frère Maguire, ça arrive au centre-ville, dans une ville des USA. Et comme il n'avait pas acheté l'habit à l'ancienne mode, on l'a arrêté. Amen. Amen. Et il est passé au tribunal et il a payé une amende. Oh my. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est en nous qui fait que nous puissions toujours repartir au jour d'ancien. Amen. Vous allez même remarquer, frère, ouais, même les musiciens, amen, du monde ont toujours le désir d'aller dans leurs vieilles chansons. Amen. Amen. Et frère Benoît me dit, j'aime les beaux vieux cantiques. Amen. Il y a quelque chose en nous qui veut toujours que nous puissions retourner au passé. Amen. Nous avons un passé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ce soir, amen, si le diable vous dit, hier tu as fait ceci, amen, dites au diable, amen, faisons le voyage. Retournons, faisons ce voyage en retour. Amen. Ne vous inquiétez pas. Même si on doit avancer, le diable dit retournons, alors retournez avec le diable. Le diable va s'arrêter sur le chemin. Vous allez retrouver l'éternité. Oh, grâce à Dieu. Amen. Oh, je me sens chez moi. Alléluia. Amen. Ce soir, il s'agit de retourner au vieil évangile. Ce soir, il s'agit, alléluia, de retourner à la pure parole. Amen. Sans mélange. Alléluia. Amen. Savez-vous que le troisième pôle, c'est un ministère du retour. Alléluia. C'était en nous avant le commencement. C'était en nous. Nous devons retourner pour avoir le ministère du troisième pôle. Alléluia. Amen. Père, c'est en vous. La création est en vous. Est-ce que vous êtes des dieux amateurs? Alléluia. Amen. Je vous dis quelque chose, frère. Le petit d'un chien est un chien. Amen. Le fils d'un homme est un homme. Le fils de Dieu est un. Hallelujah.
Alléluia. Le frère Branham nous parle d'un jeune fils, d'un jeune fils d'un patron qui voulait se marier. Oh, alléluia. Là où il habitait à l'est là-bas, il n'avait pas trouvé de femme. Amen. Il a dit alors qu'il était de l'ouest. Amen. Mais il a dit alors je dois retourner à l'ouest. C'est là où vivaient d'abord ses parents. Mais ses parents avaient voyagé pour le travail. Mais là-bas, il n'avait pas trouvé une femme à marier. Il dit je dois retourner pour trouver une femme qui correspond à ce que j'aime. Amen. Il cherchait un mariage. Et je veux dire, ma soeur, amen. Même si tu es de telle famille, oh, ta petite épouse est où? Elle n'est pas là. Oh, je vais le dire. Amen. Vous qui êtes mariés, quand vous vous mariez, amen, vous retournez dans votre famille réelle. Amen. Là où vous êtes venus, ce n'est pas être votre famille réellement. Vous devez retourner là où vous étiez au commencement. Chère de ma chair, est-ce de mes os. Donc le mariage, c'est un ministère de retour. Alléluia. Amen. Alors cet homme-là est reparti à l'ouest. Il a cherché une femme. Amen. Les gens savaient que c'était un homme qui était riche. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Alors les filles se sont préparées. Ils sont préparés. Ils ont fait le maquillage. Ils sont habillés à la mode pour recevoir ce jeune homme. Alléluia. Il y a eu un jubilé de 2 ou 3 jours. Amen. Mais pendant le jubilé, il n'a rien trouvé de bon. Oh, alléluia. Et il dit, je vais prendre un peu de répit. Amen. Parce que ce que je suis venu chercher, je ne le retrouve pas. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Et Dieu n'a jamais a eu toujours un témoin. Dieu a toujours un témoin quelque part. Oh, alléluia. Peu importe on dit, il n'y a pas le message là-bas. Il y aura toujours un témoin. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent en offense. Amen. Amen. Ils veulent retrograder. Amen. Et ils appellent leur ancien pasteur. Et ils disent, il n'y a pas le message en France. Amen. Vous cherchez le message. Je suis le message. Amen. Amen. Si vous entendez, vous avez un coup de fil. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas le message en France, dites que le médecin, il n'a pas le message. Parce que si le message est en lui, s'il est du message, à moins qu'il soit seulement dans le message, mais s'il est du message, alors il sera un témoin. Je vais vous dire, tu ne peux pas être une pierre sans avoir des tailleurs de pierre. Si tu es une pierre, tu dois avoir un tailleur de pierre. Et je vais te dire ce soir, si tu ne crois pas à ton pasteur, à 100%, tu perds ton temps ici. Tu es un hypocrite. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Pour aller au ciel, tu dois croire dans cet homme-là à 100%. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il a dit, je veux prendre un peu de répit. Parce que je ne trouve pas ce que je suis venu chercher. Qu'est-ce qu'il était en train de rechercher? Alléluia. Il était en train de rechercher le caractère. Amen. Il est sorti dans la cour. Alléluia. Il était en train de prendre un peu de l'air. Et il a trouvé une jeune fille qui n'avait même pas de chaussures. Oh, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez même pas une belle tenue, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de l'argent, ne vous inquiétez pas. Dieu vous connaît. Alléluia. Dieu ne cherche pas la couleur. Dieu ne cherche pas les habits. Mais Dieu cherche ce qu'il a mis en vous. Il suit la semence qu'il avait laissée en vous. Oh, alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Même si Dieu vous envoie en enfer. Alléluia. Le
Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors il a vu cette jeune fille-là en train de jeter la saleté. Amen. Il a appelé. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas à la fête? Alléluia. Père, il y a des choses qui ne nous concernent pas dans ce monde. Yes, sir. Amen. 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 Il y a des choses qui ne nous concernent pas dans ce monde. Alléluia. Et je vais te dire ce soir, si tu regrettes ce que tu as laissé dans le monde, amen, tu seras une statue de sel. Et je vais te dire, même un ange, même les deux anges, oh, écoutez bien, même les deux anges n'ont pas pu changer le statut de sel. Alléluia. Amen. Il a dit, mais tu n'es pas dans la fête. Amen. Alors elle était toute timide. Amen. Oh, les bonnes filles de Dieu, tu viens tout beau temps. Alléluia. Qui sont toujours humbles. Qui savent se tenir devant un homme. Alléluia. Amen. Oh, j'ai pas envie de rentrer. Vas-y. Amen. Alors, il a commencé à faire la cour à cette jeune fille. Amen. Eh bien, je suis le plus heureux de la terre. Parce que Jésus a fait la cour. Je n'avais rien. Je ne méritais rien. Alléluia. Mais comme il savait que je lui appartenais, il est venu me chercher pour que je repars à lui. Oh, alléluia. Parce que nous sommes dans le mariage. Et le mariage, c'est un ministère de retour. Amen. Amen. Merci, j'ai compris. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, j'ai commencé à apprendre le lingala en France. C'est curieux. Alléluia. Alors il a dit à cette jeune fille, veux-tu m'épouser? Écoutez, cette jeune fille avait le même nom avec les femmes qui étaient en train de danser là-bas. Il a dit, ce sont mes cousines. Oh, tout le monde a dit, je suis celle. Oh, mon Seigneur est mon époux. Alléluia. Vous partez chaque dimanche. Quand vous sortez de votre rue là, vous allez voir chacun avec sa Bible. Amen. Je vais pour prier. Oh, mais l'heure est venue. Où les vrais adorateurs adorera, adorera en esprit et en vérité. Amen. L'heure n'est plus venue pour adorer à Jérusalem. L'heure n'est plus venue pour adhérer à la montagne. Mais ce sera en esprit et en vérité. Oh, alléluia. Amen. Amen. C'est ça le vrai adorateur que le Seigneur recherche. Amen. Donne ça la parole ce soir. Amen. Dieu va l'écouter. Et Dieu l'accomplira. Amen. Vous savez, j'étais parti avec un témoignage. Je n'ai pas prêché sans donner des témoignages. Pour élever la foi des gens. Alléluia. Un jour, je suis parti à la banque pour aller faire rentrer un chèque. Et j'ai pris un modèle comme ça de porte-monnaie. J'ai rempli le chèque et j'ai fait rentrer le chèque dans le guichet. Et puis, tout d'un coup, j'ai oublié le porte-monnaie sur le guichet. Je suis ressorti et finalement, quand je suis allé dans le parking, je me suis rendu compte que j'avais plus mon porte-monnaie. Je repars à la banque, je demande au banquier, vous n'avez pas vu mon porte-monnaie? Les banquiers qui étaient là, ils ont dit, non, monsieur, on n'a pas vu ton porte-monnaie. Alléluia. J'ai dit, il y a des caméras. Amen. Si on peut aller faire visionner ces caméras, amen, on va voir qui a pris le porte-monnaie. Amen. Alors le monsieur ne voulait rien savoir. J'ai dit, alors, si c'est toi qui as pris le porte-monnaie, sache que Dieu, amen, va prendre le porte-monnaie dans tes mains. Amen. Et il va aller le déposer dans mon lit dans la chambre. Amen. Alléluia. Je suis rentré dans le parking. J'ai dit, Seigneur, je ne pars plus faire les courses. Je retourne à la maison. Amen. Et je dois trouver le porte-monnaie dans mon lit. Amen. Et je suis allé droit dans la maison. Amen. J'ai ouvert la porte. Le porte-monnaie était dans le lit. Amen. Alléluia.
Père, un jour, alléluia, il y avait une sœur qui était en grossesse. Il est arrivé à 12 mois de grossesse. Il ne pouvait pas accoucher. Amen. Et quand elle est partie à l'hôpital, l'échographie montrait qu'il n'y avait pas de grossesse. Mais le ventre était gros. Alléluia, 12 mois de grossesse. Oh, la sœur est venue. J'ai dit, je fais seulement ce que les Écritures demandent. Oh, alléluia. Le miracle viendra. Amen. J'ai imposé les mains. J'ai oint-il. Elle est repartie à l'hôpital. Elle a fait l'échographie. On a vu l'enfant était à l'intérieur. Et à 16 mois, elle a accouché. Et l'enfant aujourd'hui a plus de 12 ans. Amen. Oh, en rentrant, frère, en rentrant dans cette église, j'ai vu une affiche de devant. Dieu est capable. Hein? Ça m'a fatigué. Oh, alléluia. Parce que nous regardons aux promesses. Nous regardons à ce que Dieu a dit. Pas aux circonstances. Oh. Amen. Il a dit à cette jeune fille, veux-tu m'épouser? Alléluia. Il dit, j'ai pas de maison. Il dit, je vais aller te construire une maison. Amen. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Et Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Oh, il y a un jeune homme qui est venu me voir. Pas un jeune homme, mais un adulte. Il voulait discuter avec moi. Il vient venir me voir sur moi. Il a dit, frère Rocher, crois-tu que tu as un ciel? Alléluia. J'ai dit, j'ai un ciel. Amen. Alléluia. Dieu, mais quel ciel tu as? Mm-hmm. Alléluia. J'ai dit, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et il est parti nous préparer les théophanies. J'ai dit, ma théophanie est au ciel. Amen. Il occupe une place au ciel. Amen. La décision était terminée. Amen. Amen. Veux-tu m'épouser? Amen. Il dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Amen. Oh, alléluia. Vous vous rappelez de quelqu'un qui vous a donné cette promesse? Il a dit, je reviendrai. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas mentir. Oh, alléluia. Amen. Et frère Panam me dit, cette jeune fille, alléluia, elle s'est attachée à la promesse. Peu importe ce que les cousines disaient. Amen. Peu importe ce qu'ils racontaient. Alléluia. Oh, tu portes les gens de l'homme souple. Oh, tu fais ceci. Il ne peut pas te choisir. Mais il l'avait choisi. Il l'avait élu. Oh, peut-on donner des acclamations pour notre roi? Alléluia. Savez-vous quand c'était l'heure de retourner pour les Juifs? Alors que les Juifs étaient dispersés à travers le monde entier. Amen. Mais Dieu devait envoyer sa douce chicotte. Mm-hmm. Amen. Amen. Oui. Parfois les épreuves peuvent venir sur le chemin. Amen. Parfois vous entendez que c'est difficile. C'est Dieu qui veut que vous retournez à la maison. Amen. Alléluia. Dieu a suscité un Hitler. Amen. Et que Hitler était moitié juif. Amen. Mais il a suscité un Hitler. Alléluia. Il fallait un messager qui n'avait pas toute la parole pour dire que les juifs étaient des antichrists. Amen. Amen. Et Hitler a pris cette citation de ce messager qui n'avait pas toute la parole. Parce que toute la parole n'était pas encore née. Et il va persécuter les Juifs. Mais c'était ça la volonté de Dieu. C'était un appel à retourner. Alléluia. Il a suscité un Mussolini. Alléluia. Ils ont été chassés partout dans le monde entier. C'était pour retourner en Palestine. Oh, grâce à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et je vais vous dire, ce jour-là, le fils du patron est parti. Amen. Mais il est resté en contact. Alléluia. Avec sa fiancée. Oh, alléluia. Il est resté en contact. Il a envoyé des nouvelles. Alléluia. Et quand le jour est arrivé, amen, ils ont entendu seulement les chevaux rentrer. Amen. Il a dit, c'est fini les souffrances. Amen. Il y aura un temps où les souffrances seront terminées. Il y aura un temps où les critiques vont se taire. Il y aura un temps, mon frère, où nous serons dans le repos éternel. Il y aura un temps, mon frère, vous n'aurez plus à transpirer. Il y aura un temps, mon frère, vous allez vivre un repos de
ministère de retour. À cause de la famine, Abraham est parti en Égypte. Alléluia. À cause de la famine. Savez-vous que beaucoup de gens vendent le droit de l'Est à cause de la famine? Dans la Bible, ça existe. Amen. Et cela existe aussi. En France, c'est fréquent. À cause des papiers, on vend le droit de l'Est. Ah, que Dieu vous bénisse. Abraham, à cause de la famine, il est parti en Égypte. Et il a dit, si on te demande là-bas, amen, que tu es qui? Dis que tu es mon frère. Tu es ma soeur. Alléluia. Amen. Tu es ma soeur. Alléluia. Et il est parti. Remarquez, alléluia. C'est Abraham qui avait menti. Mais comme Abraham avait un ministère de retour, alléluia, Dieu n'a pas frappé Abraham. Oh. Alléluia. Dieu a frappé l'Égypte à cause d'Abraham. Et pourtant, c'est Abraham qui avait menti. Oh, alléluia. Oh, je vous dis ce soir, il y a un livre qui est en train d'être écrit où on va mettre sur moi les bienfaits que tu as fait sur la terre. Les erreurs seront effacées, les péchés seront nettoyés. Vous serez plus beau que neige. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un ministère de retour. Frère Bonhomme dit, montrez-moi seulement la croix. Alors je retrouverai le ministère du retour. Amen. Alléluia. Oh, je ne sais pas si je vais arriver au bout de la prédication. Amen. Le verre, tu sais pourquoi j'ai eu cette pensée-là? Parce que tu as dit que c'était l'année du jubilé. Amen. Amen. Donc si je n'arrive pas à la fin, sachez que la fin du message, c'est que j'arrive au jubilé. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un. Oh, c'est super. Alléluia. C'était un jeune homme. Amen. Pas d'expérience. Alléluia. Il a dit à son père, papa, donne-moi ma part d'héritage. Comme ça, je vais aller faire la fête. Je vais aller me débrouiller. Mais à cause du manque d'expérience, alléluia, il est parti. Il a dilapidé l'héritage. Alléluia. Il a gaspillé ce qu'il avait. Mais quand il est arrivé quelque part, il était devenu gardien de cochon. Oh, alléluia. Versez-vous ce soir. Vous étiez là gardien de cochon. Amen. Mais vous êtes souvenu. Vous avez entendu la voix de Malachi 4. Tout ce qu'il faut. Amen. Dans la maison de mon père, même les serviteurs sont à l'aise. Dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, il ne manque pas de quelque chose. Il y a tout. Tu es stérile. Amen. Il n'y a pas de stérile dans la Bible. Oh, je trouve pas le mariage. Il n'y a pas de gens qui ne vont pas se marier. Parce que nous sommes dans l'âge de l'union. Alléluia. Frère, vous pouvez même dormir. Mais les anges campent autour de vous. Parce qu'ils doivent prendre soin de la semence. Oh, alléluia. Ils doivent vous surveiller. Amen. Alléluia. Ils doivent prendre soin de vous. Alléluia. Oh, j'espère que vous avez entendu le témoignage. Il y avait un enfant qui était tombé du 5e étage. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Alléluia. Le pasteur Pelé avait fait mis ça sur le site. Amen. C'était mon troisième, mon quatrième fils. Alors que j'étais à Nantes pour aller prêcher. Amen. Après la prédication, je prends mon TGV. Et dans le TGV, pour rentrer à Paris, mon épouse m'appelle. Il dit, chérie, l'enfant est tombé. Amen. Je n'ai pas dit, comment tu as fait? Oh, alléluia. Amen. Nous savons que toutes choses concourent. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour accomplir un but.
Je n'ai pas dit non, tu n'as pas surveillé bien les enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas une bonne femme. Non, monsieur. Amen. Il y a des gens qui se marient, ils constatent que dans le mariage, il n'a pas trouvé une bonne femme. Mais tu étais où? Avant. La prière, c'est avant le mariage. Ouais. La prière, c'est avant la fréquentation. Ouais. C'est dans le mariage que tu remarques qu'elle n'est pas une bonne femme. Aventurier. C'est ça. Et les West Africains disent aventurier. Aventurier. Amen. Alors, elle a raccroché, elle m'a dit, c'est moi de prier. J'ai appelé Frère Gordy qui est là, qui était là. J'ai appelé les autres anciens. J'ai dit, mettez-vous en prière parce que Akapao est tombé du cinquième étage. Vous savez, tous les gens qui tombent même au deuxième étage en France, tous meurent. Ils meurent tous. Parce que partout, il y a le béton. Même s'il n'y a pas le béton, quand quelqu'un vient du haut, il tombe sur la terre, c'est comme du béton. Alléluia. J'ai dit à Dieu, je suis sur le chemin du devoir. Amen. Je ne me suis même pas agenouillé. Alléluia. J'ai dit, je suis sur le chemin du devoir. Amen. Je dois trouver cet enfant-là vivant. Amen. Peu importe. Même s'il a les pieds sacrés, les cassures de pieds, je dois le trouver vivant. Amen. Amen. Et frère Godier est témoin. Pendant 2 heures de voyage, je n'ai appelé personne. Et personne ne m'a appelé parce que eux aussi, ils ne pouvaient pas rentrer dans la salle d'urgence. Et dans la salle de réception, l'église était en pleurs. Les mains fermées. Alléluia. Mais quand j'ai appelé mon administrateur, il est parti devant la photo de Branham. Amen. Son épouse était dans la chambre. Il a dit, toi, tu m'avais parlé au sujet de cet enfant-là. Il ne priait pas au Seigneur, non. Il a dit, toi, Branham. Tu m'avais parlé au sujet de cet enfant-là. Quand cet enfant était dans le ventre de sa mère. Alléluia. Alors, où est mon témoignage? Alléluia. Et il rentre dans la chambre. Il dit à sa femme, Agapao, Uriel est tombé. La femme commence à pleurer. Il dit, ne pleure pas. Amen. Et quand je suis arrivé à Paris, dès que j'atterris à Paris, je vais rentrer dans la voiture. C'est frère Cody, il est même témoin présent. Que Dieu soit loué. Amen. Il m'envoie un SMS. Il dit, pasteur, il y a un grand miracle. Amen. Amen. Le psaume 91 a été accompli. Amen. Les anges ont pris l'enfant. Amen. Alléluia. Pendant que nous ne savons même pas, pendant que nous n'avons même pas prié, les anges ont pris l'enfant et l'ont amené par terre. Amen. Alléluia. Aucune cicatrice. Les hôpitaux étaient étonnés. Il ne comprenait rien. Oh, alléluia. Dieu reste Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous pencher sur moi en miracle. Non, nous devons avoir de toute la parole et les miracles. Oh, je vais bien vous expliquer en langue. Les miracles vont vous suivre comme des mouches. Alléluia. Alors ce jeune homme avait en lui un ministère de retour. Il dit, je dois retourner. Je dois dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Amen. Donc pour l'enfant, plus que toi. Amen. J'ai pas besoin d'un psychologue, d'une psychologue. Amen. J'ai pas besoin de quelqu'un qui peut me suivre. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alors ce fils-là est revenu à la maison. Il a pris la décision. Amen. Père, Père, m'a prêché la puissance de la décision. Amen. Père, Père, Père. Amen. Amen. Il se passe une fête. Remarquez celui qui est à la maison. Il a commencé à bouter. Père, si Dieu bénit ton frère, ne boude pas. Si un retourneur ne revient à la maison, ne boude pas. Fais la fête. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas les autres pasteurs puissent progresser. Les églises puissent se remplir. Amen. Et si je commence à remplir, oh, il a commencé le ministère après moi. Oh, mais j'ai entendu un merveilleux témoignage. Amen. Oh, le pasteur Jean-Marc me disait, oh,
le pasteur Joël a fait quelque chose pour Yahweh. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas honte du prophète. Si tu as honte du prophète, Dieu aura honte de toi. Alléluia. Savez-vous, frère, si je vois que c'est jaune et que le prophète dit que c'est rouge, amen, moi je dis rouge. Amen. Parce que mes yeux sont chez les prophètes. Alléluia. Ma bouche est chez les prophètes. Il y a quelqu'un qui est venu voir Billy Paul. Il a dit à Billy Paul, « Oh Billy Paul, Dieu m'a donné un grand ministère. » Billy Paul dit, « Oh, c'est quel ministère ?» Il dit, « C'est de corriger ton père. » Alors Billy Paul dit, « Oh, c'est le merveilleux ministère. » Parce que tu n'as rien à travailler. Tu n'auras rien à faire. Oh, alléluia. Dieu ne fait pas des erreurs. Et ses prophètes non plus. Si tu es dans l'histoire de dire que le prophète a fait des erreurs, non, tu n'es pas un aigle. Alléluia. Tu es peut-être un vautour, mais tu n'es pas un aigle. Le prophète n'a jamais fait des erreurs. Alléluia. Écoutez, frère, les gens ne sont pas partis dans l'hôtel. Ce jeune homme, là où il était à l'étranger, étant de toute grâce. Alléluia. Mais il y avait quelque chose en lui, une profondeur qui attirait vers la profondeur. Oh, alléluia. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, si on te force pour venir à l'église, dans un peu de jours. Amen. Oh, je suis content, frère. Quand on l'église, il y a beaucoup de monde quand même inconnu. Je suis content parce que je n'aime pas les catholiques. Ils viennent se voir un dimanche à l'église. Oh, alléluia. Les catholiques ne vont pas au ciel. Si Dieu te donne un travail dimanche, ce n'est pas un travail donné par Dieu. Prie le Seigneur. Quand tu ne peux pas avoir un travail le dimanche, oh, alléluia. Le dimanche est fait pour le Seigneur. C'est le jour de la résurrection. Alléluia. Moïse, alléluia, était parti dans le désert. Amen. Mais il avait un ministère de retour. Alléluia. Mais avant d'avoir un ministère de retour, Moïse est rentré dans le puissant ardent. Et le puissant ardent est rentré en lui. Et la Bible dit, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Frère, si vous avez réellement le Saint-Esprit, même dans votre famille, vous serez toujours consulté. Même les païens dans le quartier, ils viendront vous consulter. Parce qu'ils sauront que Dieu est différent des autres. Alléluia. Il est reparti en Égypte. Amen. Pharaon ne voulait pas laisser. Amen. Mais Dieu avait dit, je vais endurcir le corps de Pharaon. Alléluia. Vous connaissez toute l'histoire. Mais il y a eu un ministère de retour pour Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël. Mais le peuple aussi a eu un ministère de retour. Je vais m'expliquer. Alléluia. Alors que Joseph avait des frères. Mais il était spirituel. C'est ça qui fait la différence. Il était haï par ses frères. Alléluia. Le croyant charnel va toujours croire, haïr le spirituel. Mais il était vendu. Il est parti en Égypte. Amen. Mais Joseph, le prophète, avait placé, alléluia, une onction sur Joseph. Alléluia. Il avait la robe d'arc-en-ciel. Amen. Les frères ont déchiré l'arc, la robe. Amen. Mais la robe était à l'intérieur. La robe était déchirée. Amen. Mais la chose était à l'intérieur. Amen. Et quand Joseph avait quitté la Palestine, amen. Alors que la Palestine devait être bénie. Mais comme le spirituel était parti, alléluia, la colonne de fer, il s'était déplacé. Alléluia. Le reste était devenu une dénomination. Pas des sous Joseph. Alléluia. Joseph a été gouverneur là-bas en Égypte. Amen.
Souvenez-vous, même si je meurs, amenez mes os. Les os étaient un mémorial du ministère du loto. Il dit, souvenez-vous, Père. Oh, alléluia. Si Moïse avait oublié les os de Joseph, il ne pouvait pas partir. Et c'était impossible. Alléluia. Et à chaque fois que Jésus des Israélites, aujourd'hui on les appelle les Israéliens, mais nous sommes des Israélites. Alléluia. À chaque fois que vous passez, vous voyez le corps de Joseph, les os de Joseph. Vous savez que les os de Joseph représentent la parole. À chaque fois qu'il voyait les os, il se souvenait qu'il y a une promesse. Amen. Il y a une promesse pour retourner. Amen. Il y a une promesse pour aller prendre le canon. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Je veux dire ce soir, si tu n'as pas le ministère de retour, qu'est-ce qui arrivera pour toi? Amen. Élie avait un ministère de retour. Amen. Et Akab, qui était une poule mouillée, ne pouvait pas recevoir le ministère de retour. Amen. Alléluia. Amen. Et il les a appelés. Les prophètes de Baal au mont Carmel. Amen. Et comme ils n'ont pas accepté le ministère du retour, on l'a égorgé. Élie a égorgé 400 prophètes. Amen. Amen. Si tu ne crois pas au ministère de retour, alléluia, tu seras égorgé. Alléluia. Oh, mon combat n'est pas arrivé. Je vais te dire ce soir, il y a quelqu'un qui a été envoyé. C'est cet homme-là, avec un ministère de retour. Il n'est pas venu nous apporter de nouvelles choses. On lui a dit, tu dois ramener les enfants à la foi des pères. Amen. Et tu dois révéler les secrets de cette colère. Amen. Amen. Et cela nous donnera la foi de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Malachi 4 a un ministère de retour. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais prier parce que mon temps est arrivé. Amen. Si nous aurons l'occasion, nous continuerons. Alléluia. Mais le pasteur est là pour continuer mon sujet. Que Dieu vous bénisse tout ça. Alléluia. Comme nous allons chanter. Amen. Je prierai. Souviens-toi si tu as une requête. Alléluia. N'importe quelle requête. Rien n'est possible. Alléluia. Les auxiliaires du prophète ont la double portion. Est-ce que vous le croyez? Chantons quelque chose. Jésus, oh, qui est ce Jésus?
ce qui n'a, il est celui qui nous libère. Il est celui qui nous console. Il est celui qui nous bénit. Pouchetina, il est celui qui nous exauce. Jésus, 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 Jésus